à tous. C'est encore le coach Loss pour vous servir. Je suis toujours heureux de vous retrouver. Et toujours heureux de compter de nouveaux abonnés. Merci à vous pour vos partages. Merci, merci, merci beaucoup. Hier, nous avons parlé de SafeMoon Cash. Voilà, avec des briques d'informations qu'on avait. Mais aujourd'hui encore, on a eu d'autres informations du télégramme officiel de SafeMoon Cash. Voilà. Donc, je me fais fort de vous donner cette information afin que ceux qui paniquaient se calment, comme j'avais dit, et que tout est en train de rentrer dans l'ordre pour qu'on ait un nouveau SafeMoon Cash qui sera encore plus amélioré que le précédent. Voilà. L'administrateur de SafeMoon Cash a fait une annonce officielle. Il a même fait un vocal d'abord et puis par la suite, ils ont posté une annonce officielle sur le Telegram officiel. Voilà, donc désormais, SafeMoon Cash devient SafeMoon Game Cash. Voilà, voilà ce qu'il a dit comme information de base. SafeMoon Cash devient SafeMoon Game Cash. Désormais, SafeMoon va s'articuler autour de l'industrie du jeu, du gaming. Voilà, donc ils envisagent faire beaucoup de partenariats dans l'industrie des jeux vidéo. Et donc déjà, vous voyez déjà que le nom même déjà tourne autour des jeux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que tous ceux qui ont des SafeMoon déjà, ceux qui ont des SafeMoon Cash déjà, et ces SafeMoon Cash seront convertis en SafeMoon Game Cash au prorata déjà de ce qu'ils avaient. Ça signifie quoi? Si vous avez, je ne sais pas, 50 milliards de tokens, et lorsque ça sera le moment, vous allez échanger vos SafeMoon Game à 50 milliards de tokens de SafeMoon Game, voilà, de Game Cash. Voilà, donc voilà ce qui a été dit. Donc, il dit que personne ne sera laissé pour compte, que ça a été la décision d'abord qui a été d'abord votée à l'unanimité d'abord avant de lui, en tout cas l'administrateur, il dit c'est ce qu'il a demandé d'abord avant même d'accepter de conduire le projet à bien. Voilà, donc il a demandé qu'il ne veut pas que quelqu'un soit lésé. Les gens ont investi, les holders sont vraiment motivés. Donc, s'ils ont déjà des SafeMoon Cash, il faut les convertir carrément en SafeMoon Game Cash. Et puis, bon, le projet continue. Et que, à partir de maintenant, il va avoir ce qu'on appelle un burn wallet. Un burn wallet, c'est-à-dire qu'après chaque transaction, une partie des tokens sont brûlés pour rarifier la pièce. Voilà, donc cela est prévu. Il va avoir aussi une partie qui sera dédiée au marketing. Dans le précédent, il n'y avait pas de pourcentage dans le tokenomics. Il n'y avait pas de pourcentage qui était réservé au volet marketing. Et ça créait pas mal de problèmes au niveau de SafeMoon Cash précédent qui comptait beaucoup aussi l'appui de la communauté pour pouvoir faire la promotion. Mais cette fois-ci, il y aura un pourcentage dans le tokenomics. Quand on dit tokenomics, comprenez, c'est un mot qui est un peu bizarre, mais ça ramène simplement sur la distribution des parts dans le projet, c'est tout. Voilà, ce qui retourne au holder, ce qui retourne dans la promotion, ce qui aussi est brûlé. Voilà un peu ce qui va se passer, un peu à l'image des Baby Doge. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, il nous a rassuré. Et donc, je reviens ici aussi pour vous dire d'être calme. Et on suit le projet. Dès que l'information est reçue par rapport aux échanges de SafeMoon contre, disons, les SafeMoon Game Cash, on va vous donner et puis la procédure, on va vous expliquer. Voilà, si c'est un swap, si c'est par airdrop, en tout cas, ils ont dit que ce sont les deux qui sont prévus. Donc, on va voir ce qui a été choisi et puis on va vous informer pour que vous ayez changé vos tokens. Voilà, voilà l'essentiel qu'on pouvait donner sur le SafeMoon Cash. Donc calmez-vous, calmez-vous, tout va bien, il n'y a pas de feu à la demeure, tout est en de bonnes mains. Il a même dit que souvent certaines choses arrivent,
Mais c'est pour de bonnes raisons. C'est arrivé parce que peut-être que l'univers même voulait que Sepmoun Cash devienne une pièce encore plus rentable avec des projets qui vont aboutir. Donc, ce problème qui est survenu là a permis de pouvoir appeler un autre Sepmoun qui sera plus amélioré. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, on va suivre le projet pour vous donner les news là-dessus. Voilà. Donc, comme aujourd'hui, comme d'habitude, chaque fois après les vidéos, on vous donne les news de l'actualité des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a deux news pour vous. Il y a un qui est un peu technique, mais quand même, je vais vous expliquer. Parce que certaines choses peuvent se passer sur certaines plateformes, vous pouvez ne pas comprendre. Mais il est bon aussi quand on vous donne les informations. Et il s'agit d'Ethereum. Ethereum, il y a, comment on appelle, un développeur qui a donné... il a un pseudonyme qu'on appelle Edgar Root. Voilà, donc... Il a créé une polémique autour d'Ethereum parce qu'il a demandé qu'il voudrait, pour pouvoir avoir plus de frais de transaction, il voulait réorganiser les blocs. Il voulait réorganiser les blocs. Je vous explique un peu comment ça se passe. Quand il y a une transaction qui se produit, les mineurs reçoivent certaines récompenses. Mais les récompenses que les mineurs reçoivent, ces récompenses-là sont de deux ordres, c'est-à-dire que les frais de transaction, ils reçoivent, et aussi ils reçoivent des récompenses pour les blocs qui ont été validés. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, lui, et par les récompenses-là, mais c'est appelé le MEV. Le MEV, c'est valeur extractible par mineur. Ça, c'est la récompense que les mineurs... Maintenant, lui, il veut récupérer ce MEV-là pour pouvoir réorganiser. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il voulait prendre, c'est-à-dire des blocs déjà validés, aller récupérer certaines informations dedans pour chercher encore d'autres frais à l'intérieur. Et donc, c'est comme si une transaction s'est déjà produite quelques minutes. Après, lui revient sur l'ancienne transaction là, venir fouiller dedans pour chercher des blocs, des récompenses là-dedans. Et donc, les développeurs qui suivent ont dit que non, ça c'est très dangereux parce que cela, ça veut dire que c'est comme si le bloc est déjà passé. Quelqu'un vient récupérer derrière pour créer, il peut créer une faille dans le processus et donc ça peut créer, la lenteur du processus. Ça même, c'est pas grave, mais ça peut encourager les attaques 51%. Ce que vous ne savez pas, ce qu'on appelle les attaques 51%. Les attaques 51%, c'est comme si... grâce à ce procédé-là, d'autres personnes vont profiter pour récupérer 51% de la puissance de calcul des blocs et procéder à une attaque contre le système. Et donc, c'est-à-dire que s'ils ont réussi à avoir 51% des blocs de validation, les calculs de blocs de validation d'Ethereum, c'est fini, Ethereum est corrompu et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si Ethereum. Vous voyez pourquoi on n'arrive pas à pirater le Bitcoin, parce que personne, même les États, ils ne peuvent pas avoir 51% de la puissance de tous les mineurs de Bitcoin. C'est pas possible. Voilà pourquoi il est difficile de pouvoir pirater le Bitcoin. Les mineurs sont tellement dispersés partout. Les ordinateurs sont interconnectés à travers le monde entier. Tu ne peux pas avoir 51% de puissance de tous les ordinateurs de minage de Bitcoin. C'est pas possible. Donc voilà pourquoi le Bitcoin est hyper sécurisé. Voilà, donc les gens se sont levés contre cette idée-là qu'il a dit parce que ça va créer la mort de l'Ethereum. Or, n'oubliez pas que Ethereum, sur sa blockchain, il y a plus d'un million de smart contracts, c'est-à-dire un million d'applications qui sont sur sa blockchain. Donc c'est la vie de toutes ces applications, de tous ces projets-là qui seront mis en mal. Donc je pense que Vitalik va se saisir de... Parce que le fait de donner l'idée-là, ça veut dire que peut-être quelqu'un d'autre même a commencé à faire ça déjà. Donc, ils vont essayer de sécuriser davantage pour que l'Ethereum point 2 aussi soit plus sécurisé. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que vous avez compris. L'information, c'est un peu technique, mais il fallait qu'on vous donne l'information. Maintenant, il y a une autre information qui n'est pas trop reluisante pour tous ceux qui font les vidéos aussi TikTok. TikTok a décidé maintenant de bannir tout ce qui est vidéo sur les crypto-monnaies. Ça, c'est l'annonce qui a été faite la semaine passée.
Donc TikTok a décidé de bannir tout ce qui est vidéo sur la crypto-monnaie. Mais ce n'est pas seulement la crypto-monnaie, c'est produits et services. Tout ce qui est produits et services, TikTok a décidé de bannir ces publicités-là. Bon, voilà la liste. Ils ont parlé de pas de promotion des partis techniques, des partis politiques, pas de promotion de comment on appelle, d'alcool, des cigarettes, des jeux de hasard, et surtout pas de Bitcoin et les crypto-monnaies. C'est-à-dire les produits et services financiers sont bannis désormais sur TikTok. Donc, tous les influenceurs qui avaient l'habitude de faire les vidéos sur TikTok, c'est fini. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les règlements ont été donnés. Donc, les gens ne pourront plus faire de vidéos sur TikTok pour parler de crypto-monnaie, pour parler en tout cas de tout ce qui tourne autour des finances. Voilà ce qui a été décidé. Je ne sais pas pourquoi cette décision est venue. Mais ce n'est pas une décision très intéressante pour le monde des influenceurs qui vivent de ça, parce que c'est un métier. N'oubliez pas que ça, c'est un métier aussi. Donc, ils vont devoir se retourner vers YouTube. Ils vont devoir se retourner, s'ils veulent faire des vidéos, ils vont devoir se retourner vers YouTube voilà, pour pouvoir aller faire des vidéos de ce genre. Mais je pense que s'il y avait des gens qui pouvaient changer, c'est-à-dire créer des applications du genre sur la blockchain, qui n'est pas, c'est-à-dire que sur la DeFi, qui n'est même pas géré par qui que ce soit, tu as envie de faire ta vidéo, tu viens, tu postes ta vidéo sur comment on appelle, le réseau. Vraiment, c'est une idée vraiment qui sera bien. Si les développeurs m'entendent, vraiment qu'ils pensent à ça, si c'est possible de créer une DeFi, hein, des réseaux sociaux, de sorte que les gens puissent venir faire ce qu'ils ont. C'est-à-dire, les gens ont envie de s'exprimer, peu importe le sujet, tu viens, tu t'exprimes. Voilà, mais c'est la blockchain qui gère, c'est pas une entité quelque part là-bas qui prend des sanctions, des censures, tout ça. On est dans la liberté d'expression, je pense qu'il doit pouvoir avoir ce genre de site-là. Donc c'est important. Voilà, donc ça c'était mon avis. Voilà. Donc voilà un peu sensiblement ce qu'on pouvait vous donner pour la vidéo d'aujourd'hui. Retenez déjà que SafeMoon Cash devient SafeMoon Game Cash. C'est l'essentiel de la vidéo qui est là. Et calmez-vous, et soyez sereins, tout ira bien. Voilà. N'oubliez pas aussi pour la formation, vous rentrez en contact avec le leader du donné. Je laisse toujours ses contacts dans la description pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui. Pour ceux qui veulent se former, qui ne sont pas à Ouaga, qui veulent se former en ligne, mon lien aussi, mes informations de WhatsApp, tout ça, c'est en description. Vous pouvez m'appeler. À partir de là, maintenant, je pense qu'on pourra vous aider à avoir la connaissance, en tout cas la formation qu'il faut pour vous permettre d'avoir cette indépendance financière, cette autonomie qui vous permet de pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire sur la DeFi, sur tout ce que est crypto-monnaie, innovation, sur le blockchain, en fait tout. Voilà. Merci à vous. Et à la prochaine.